la partie vendredi après-midi, après je t'accueille donc dans les potes pour que dans le pays présent sur le compas festival là qui fait chaque année comme je connais Miami et ministère culture c'est une sponsor activité ça et moi-même j'ai une intervention que je prévois pour me faire en tant que ministre culture et communication dans le cadre du festival là donc il y a des interventions qu'on a fait il y a toute une préparation qu'on a fait avec organisateur festival là je viens dans l'aéroport là et bon passer pour mes sécurité en bas sans problème le monter en haut hein, pour côté américain dans l'ensemble et puis je dis faut me retirer cette couronne faut me retirer souliers par exemple bon moi je me dis on va trouver ça normal le ministre a parti n'importe en Haïti hein. Et puis on demander me tout bail ça alors que moi même dans tête pas me demander si son ambassadeur français canadien ou bien ministre français canadien qui te paraît là est-ce que c'est ça d'affaire et pas même moi qui te commencer dire ça c'est agent protocole qui accompagne non parce que je me passe dans le salon diplomatique normalement et puis l'agent protocole l'a expliqué non est-ce que bah, c'est là bon lui même il dit non bref bah, bon pour faciliter tout bail dit bon d'accord moitié c'est toujours moitié je dis ce que je vais faire je vais estimer que le ministre fait ça en Haïti la partie alors que je me dis Ottawa dernièrement pas gagné mon temps je suis d'Ottawa non aéroport là quoi agent qui accompagne je vais passer check sécurité mais même non qui est moi n'importe côté je vais prendre avion et puis avec toute courtoisie dans Ottawa alors que c'est aux États-Unis je vais aller d'Ottawa je vais aux États-Unis non même américain là ça ok donc ça va te poser problème mais malgré tout gros billet et puis me passer le passer qu'on est passionné pour moi maintenant il fait pour m'aller mais tout ça je dis non fait tout net et puis le arrivé me fin passer sécurité qu'on est maintenant il fait passionné ma point FM pour m'aller et puis pour agent il vient dire non il faut fouiller faut faire l'autre check encore malgré tout ça doit parce que passionné m'passionné et puis je dis non il faut faire l'autre check et toujours parce que on dit qu'on m'a cliqué SSS c'est pas c'est là dis-moi par contre je dis non mais mon statut tu vas comme ça je dis non faut m'accompagner très bien tu vas dire moi c'est là il faut m'accompagner pour aller en coin avec parce qu'il dit il est fouille pour le faire sur moi ça c'est tout ça des respectants ok donc un pays ou pas c'est pas moi-même c'était moi comme individu ça veut dire hein? Bon vous voulez faire ça même le monsieur dit mon dernier fouille là moi dis monsieur d'accord eh bien dis monsieur soit faut check fait check ou pensez monsieur pour aller checker comme ça ou on va comme ça monsieur dit monsieur non coin faut m'accompagner pour mal non coin avec me protester comme ça me pas accepter et moi dis monsieur si c'est la condition ça pour me partir me pas partir parce que me pas coopérer pour y appuyer pays moi veux pas partir et puis effectivement il y a monté descendre par l'empile et puis après ça moi dis bon bonding passe moi me pas aller dans condition ça me pas partir me préfère éviter parce que me pas quitter humilier pays donc moi me parler ça président et président lui vraiment pas content ça passé là pour l'aide que me fait là envoyer par le premier ministre pour m'expliquer exactement et l'aide ça nous acheminer là nous copier pour que les suites nécessaires capables. Ministre communication et culture Guidès Delva concernant ici dans ça n'aéroport mais c'est non American Airlines des problèmes non parce qu'on a un double fouille ou un premier fouille ou prend en bas et non côté agent et haïtien et puis l'a monté qu'on est à la poêle dans American Airlines dans ça au fond l'autre fouille en règle alors c'est dans American Airlines incident est passé ministre culture communication Guidès Delva non conférence pour l'après jeudi dans cadre espace ça le lundi la prestant dans ministère communication que l'a dirigé et intervenu pour continuer justifier et volonté gouvernement gain pour augmenter prix gaz non il fait connaître son obligation gouvernement gain n'a cité pour camper sur salaire les subventions li bail dans affaire gaz selon lui même qui il parlait de 93% l'argent qui dépensé pour subventionner prix gaz non à joindre 20% monde qui plus riche dans pays hein, sans que pas citer source côté de jeune chiffre ça. Et ministre Delva dit que c'est vrai l'État perd du l'argent sous frontière à cause l'hypocon capable combattre contre banan qui c'est une grosse source revenu en pile secteur identifié pour pouvoir et même président plein sous ça dans discours officiel il était fait dans Arcaï bon en passant pour nous dire avec un peu de difficulté puisque moitié dans discours ça t'es coupé dans moment que TNH qui c'est station qui t'a retransmettre image t'es éprouvé en pile difficulté technique jeudi 18 mai et côté que par exemple nous même Radio Kiskeya c'est sous TNH on t'a pour transmettre nous t'es obligé à abandonner la transmission et comme nous toujours gagne équipe qui t'est présent ça fait nous t'es gagné et discours président c'est pas ça n'a pas gagné ni et côté tout réalisation vraiment t'es laissé à désirer par exemple président sénat bon nous pas connaît si c'est une habitude qu'elle gagne si ça qu'explique ça t'as marré sous lié et
Joseph Lambert, et bien caméra te quitté et tout petit bagaille qui pas ta doué filmer et bien caméra te rété y a mais écoutez ministre communication à culture Guilherme Delva et dans conférence pour la presse ça côté Renal Guerrier te présent pour Radio Kiskeya. Parler de ça déjà, mais son rappel en fait, et ben c'est l'important dans le moment ça à côté que des groupes qui ont demandé monde sorti dans la rue ou bien à manifester pour une question de brigade. Moi-même, moi t'aimais tout le monde comprendre yon bagaille. Ça n'a pas dit là, c'est un bagaille qui est vérifiable. C'est pas un bagaille n'a pas dit comme si le monde n'a pas vérifié. Selon étude que le gouvernement haïtien lui-même fait par rapport à chiffres qu'il gagne et par rapport à l'analyse qu'il fait de situation, nous réalisons que 10% de subventions que l'État a payé pour Gaza, la joigne 20% de monde qui est plus riche dans le pays. Ça, c'est le chiffre que l'État haïtien, selon l'analyse faite, les bail. Mais Banque mondiale dit nous, les plus graves que ça. Banque mondiale dit nous, c'est pas 90%, c'est 93% de COB l'État perdu sur question prix Gaza. Les subventions, les licences est fait dans la question prix Gaza, selon Banque mondiale, 93% là-dedans. C'est 20% de monde qui est plus riche dans le pays avec la jeune. Ce n'est pas le peuple haïtien qui est plus gros bénéficiaire de subventions que y a bail là. Ça joue dans son petit grappe d'ail. Ça nous le dit pas là. Si nous continuons à subventionner Gaza, prix Gaza pour le monde qui a acheté, et nous dit ça déjà. Le monde qui est en bas, qui a besoin d'aide de l'État sur le plan social pour bon souffle, pour avancer et pour qu'il y ait investissement qui fait tout pour permettre que l'État joue un moyen pour l'investir, pour créer cadre, pour gagner emploi, pour gagner croissance économique, pour faire pas ici capable de nous souffler. Si que nous continuons financer pour le gazage en affaire là, eh bien c'est plus tracas, c'est plus tchouboum qui va gagner pour la population qui a même besoin d'aide l'État. Est-ce que ça veut dire que l'État a décidé de pas subventionner le gaz là encore? Et puis deuxièmement, est-ce que c'est peut-être ça tout? L'État a décidé d'augmenter le gaz? Oui, nous pas décidé de monter le gaz. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas dépendre de nous qui monter. Si le monter, c'est peut-être producteur pétrole. Des pays producteurs de pétrole, peut-être si eux-mêmes, si eux montent coup baril là, c'est eux-mêmes qui décident de la monter ou bien descendre à monter ça, c'est eux-mêmes qui contrôlent ça. Nous on contrôle ça. Il y a plus l'autre pays qui est même avec nous, c'est pas qui contrôle ça. Nous-mêmes, c'est prix que l'IA nous dit. Je voulais pour ce prix à nous venir, parce que c'est prix n'acheter là, prix le vin, non. Nous voulons ces prix à que le vend. C'est pas augmenter la augmenter, non. Prix que le vend, nous voulons c'est là pour nous arriver pour nous vendre, prix au vend. Pour nous-mêmes, nous pas obligés à subventionner pour que 20% de monde qui périche dans le pays, c'est eux-mêmes qui viennent. Non, mais il n'y a pas qu'à continuer. Subvention, ça n'a pas qu'à continuer. L'État, effectivement, sur frontière, il y a un problème. L'État n'a pas contrôlé les frontières. Il y a un contrebande qui a fait de vœux. Mais c'est et pour ça, vraiment, comme je dis, il n'y a pas qu'à continuer à faire ça, à faire tout. C'est une raison. Regardez, Jean Abdécrit, là, il y a une raison. Mais c'est justement pour cette raison, ça, qui fait qu'il n'y a pas qu'à dire, il y a financé 20% de monde qui est riche dans le pays, il y a subventionné le gaz pour eux. Et puis, il y a là, il y a un paquet de moyens pour aller sur frontière, pour renforcer, pour dépenser, investir comme pour mettre des structures pour empêcher qu'on le bande. Alors, combien de monde gouvernement a subventionné, combien de monde qui est riche dans le contrebande justement, qui a subventionné, et combien de monde tout qui gagne laissé passer et qui n'a pas payé aucune taxe loi de la douane que le gouvernement a subventionné, est-ce que le monde a fait partie de monde qui est plus pauvre? Et puis, et de qui est programme social Guilherme Delva a parlé? Est-ce que c'est maman chérie, petit papa doudou? C'est ça le programme social? Il a retiré le peuple dans la misère? Grand conseiller unité, ancien ministre Paul Denis, pas caché gros tête chargée, il gagne sous situation politique, pays d'Haïti a fait face à pile, à paquet de promesses, sans arrêter qu'à tomber sous qu'on l'a pris. Et président Jovenel Moïse continue à faire peuple. Sous dossier augmentation prix gaz, le mandat du gouvernement fait back. N'a pas d'elle qui te parle comme ça dans micro Beethoven son office. Lors où un président qui depuis le monté ses promesses là fait et le pas qu'un des promesses et voilà que plus d'une année après il continue à faire promesses. Ça veut dire président vient les faire du câble. Je dis à là c'est important pour le monde qui a dirigé le pays, président tout particulièrement comprenne que situation monde a vivre la journée aujourd'hui à là dans le pays son situation qui dure, son situation qui terrible, et il est important pour réfléchir, pour chercher, joindre moyen, pour porter de réponse à attente, à revendication masse peuple.
La vie a dû là dans la rue. Président lui-même, on prend l'île, l'île et ciel, l'île en bonnet, l'île pas comprendre. La marché, parler, promettre ici, promettre l'autre bord. Et puis, un y est même, l'île pour nous se comprendre, pour nous atterrir, pour lui comprendre que la situation est là. Son situation extrêmement grave. Qui, s'il pas cherché côté de réponse, bagayo kagate là. Bagayo kagate, c'est pas promesse pour eux. Il faut que, pour une fois, les réfléchir et puis les chercher, joindre de réponse appropriée selon capacité, selon capacité pays, selon nécessité pays. Selon nécessité, moun ka vivre dans le pays, et surtout moun ki couche ki pi défavorisé, malhéré, pauvre, déshérité, démuni, moun ka yo, y a vivre une situation malouk, faut le chercher, faut le dégager, pour essayer de porter de réponses appropriées à la situation moun ka vivre la journée aujourd'hui dans le pays, c'est pas chita sous blanc, c'est pas chita sous menti, c'est pas chita sous promesse. Voilà, Paul Denis, ancien sénateur, ancien ministre, grand conseiller unité, dans le micro, Beethoven François Fils, vice-président commission justice, sécurité et droit monde, dans la chambre député, député Daniel Le Thor, pas d'accord avec décision gouvernement préparée pour le prendre, pour augmenter le prix gaz, non. Dans le cap fini là, selon représentant circonscription Port rapidement et dans la 50e législature, la situation économique en pays a tellement malouk, le peuple n'est pas capable encore, le pas capable de supporter augmentation prix gaz. Non. Député Le Thor mandé gouvernement à chercher l'argent, les besoins, côté le cas jeune. Par exemple, elle mettait mesure pour contrôler marchandises qui entrent à gogo sous frontière sans que pas payer taxes et grand orient qui pas payer taxes. À camper l'autre côté encore qui gagne contrebande. N'attendez le micro, Vilner Joseph. Député Daniel Le Thor. Le gouvernement bien l'idée pour le temps augmenter le prix gaz là dans le pays. Une fois le prix gaz là augmenté, nous-mêmes, nous désolidariser nous avec décision ça qui va le prendre. Pour la simple bonne raison, nous, ces députés circonscription Port-Habillement, nous avons circonscription côté cyclone Mathieu écrasé, dévasté totalement. Je dis, ensemble des mesures, des dispositions gouvernement dit pour reconstruire Grand Sud-là, je dis, rien n'est fait. L'augmentation prix gaz là, il prend un effet sur ensemble d'activités qu'a fait en d'un pays, notamment la circonscription Port-Habillement. Parce que depuis le prix gaz a augmenté, coût taxi moto, coût machine et prix manger, prix produit premier nécessité, tout peut augmenter. Dans ce sens, nous connaissons que le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures pour te réduire, pour te arrêter, pour te réduire le train de vie de l'État. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement, même gouvernement, Guy Lafontaine, qui te prend arrêté présidentiel ça pour te réduire train de vie de l'État, eh bien, jusqu'aujourd'hui, arrêter ça n'a pas jamais appliqué. Si arrêter ça a été appliqué, bon, ensemble de dépenses, l'État n'a pas fait comme ça, il a utilisé pour mettre sous gaz là. Bien, on a arrêté que le gouvernement te prend pour te permettre que machine l'État parle dans la rue depuis 4 ans, jusqu'aujourd'hui, arrêter ça pour que j'aime rentrer en application. Ça montre que gouvernement ou ensemble des mesures qu'il apprend, qu'il ne peut pas mûrement réfléchir avant de prendre. Et par la suite, décision ça a pris le bail, un éclatement social qui est capable de permettre que le peuple a soulevé contre le gouvernement. Et nous autres, comme parlementaires, qui sont représentants de la population, représentants de la circonscription Port-Habillement comme députés Port-Habillement, nous ne sommes pas capables de rester sous silence sans nous pas prononcer sur question ça. Et on a décision que le gouvernement prend tout pour dollariser et transaction pour le. Dédollariser transactions qu'a fait dans le pays. Si vous passez dans l'ensemble des institutions, tant dans la capitale là et à travers la ville de province, ou après que les transactions ont toujours fait j'aime ou vous voulez. Donc si vous passez dans une série d'institutions, vous regardez, vous mettez dollars à 68, il y a côté qui mettez 69, il y a côté qui mettez même 68,50. Ça montre que le gouvernement Guy Lafontaine prend ensemble des décisions. Il n'a pas de capacité, il n'a pas d'autorité, tout pour permettre que les décisions soient respectées. Nous pensons que augmenter le prix carburant, ça prend un éclatement social dans le pays. Et pas seulement à Port-au-Prince, dans la ville de province. Je dis à nos députés au rivière dans la circonscription, c'est comme si une manifestation gagne à travers côté cahier député A ou bien côté cahier sénateur A. Ça fait ça. Parce que tout le monde est dans le gangou. Tout le monde a demandé pour député A. Ballon 1000 gouttes, ballon 300 dollars, tout le monde a une activité.
y a créé pour capable vinn côté député parce que ou pas joindre gouvernement parce que nous mêmes comme députés comme parlementaires c'est nous mêmes qui gon rapport de proximité avec population eh ben doléances yo désidérata yo c'est nous mêmes yo vinn joindre matin midi soir. En ce sens nous pensons que faut gouvernement à regarder côté lui-même il est capable joindre l'autre corps pour lui mettre sous prix gaz là pour permettre que population pas les vivre. Voilà, c'est député Port Apiment, Daniel, le temps que tu as parlé comme ça, soit fait Gazal, pas d'accord, non, micro, Vinel Joseph. Bon côté par le collègue, représentant Gangouave dans 50e législature, député Jean-Marcel Luméan, qui est élu à Bagné, qui s'est allié pouvoir dénoncer volonté gouvernement, manifester pour augmenter le prix gaz là sous nos peuples. Parlementaire Kidlan, quoi, décision ça, pour mettre population, pays d'Haïti, dans plus de difficultés pour faire face à besoin, pour répondre à besoin de famine. Et il y a un député qui fait partie du groupe 16 ans et qui est demandé pour interpeller le Premier ministre, député numéro, ensemble avec Res Mamio, et qui gagne moyen et pour pouvoir être capable de jouer l'argent et au besoin. Naturellement, prix gaz donc monté d'après sa députée a fait connaître qui fait partie du groupe 16 ans. Papa et fait que il y a un problème. Mais selon lui-même, peuple n'a pas gagné pour supporter l'augmentation. Ça, n'attendait le député Jean-Marcel Libéran, député Gangouavla, dans le micro, Vinel Joseph. Pas besoin d'une perspective monter carburant, monter gaz pour y avoir pensé à amélioration des conditions de vie ouvrier. Parce que je vous dis, tout le monde constate que la vie un phénomène d'inflation galopante et que ouvrier avec ça, il y a percevoir comme revenu, il n'y a pas qu'à répondre à ensemble de besoins qui fait face quotidiennement. Donc, il y a déjà des nécessités pour que vous repensez la question du salaire minimum. Non, et je pense que c'est de bon droit que ouvrier t'a demandé pour yo appliquer toutes conditions qui dégainent la question salaire minimum. Mais je vous dis, en prévision de montée gaz, non, c'est pas seulement ouvrier yo ça va le frapper, mais ça va le frapper toute population dans son ensemble qui va le voir davantage si ça a gagné dans meilleur comme rentrer pour permettre yo pas capable de répondre à ensemble d'obligations yo fait face. Donc moi quand je vous dis, gouvernement trouvé le nom carrefour pour que les discuter avec ouvriers pour que yo wè ki amélioration ka pote nan niveau salaire. Pas sûr que gouvernement capable gen possibilité augmenter salaire là à jusqu'à 2000 jusqu'à 1000 gouttes qui demandé hein, puisque li pral très difficile pour doubler un salaire de manière automatique non économique, ça va le crever économie hein, mais moins pour tous des salaires misérables ouvriers à percevoir, il pas normal non gens non temps à vie je dis. D'ailleurs si vous ramenez et le salaire que ouvrier a percevoir aujourd'hui et sur le dollar on voit le que ouvrier aujourd'hui par contre ouvrier qui travaille pour 10 dollars le jour donc et 10 dollars pas capable bailler aucune famille et dans quel que soit côté à manger pour journée. Donc moi crois que tout le monde travaille il y a deux objectifs, c'est ou travaille non seulement pour assurer bien-être mais il travaille tout pour demain ou capable sur un besoin ou répondre à lui-même. Donc malheureusement avec maigre et salaire ça ou est pas capable de répondre à besoin que capable faire dans le futur. Et moi crois que si le gouvernement a rentré dans la possibilité pour satisfaire les exigences de communication à la via FMI, et c'est un plus gros catastrophe politique auquel le gouvernement ça a pris le fou et tête li. Parce que je dis, moi crois gagner en pile secteur dans la vie nationale là qui commençait à dire gouvernement halte là, m'a pas oreilles gouvernement ou j'ai plus long passé tête li. Donc, il est obligé de tenir compte de la population parce que l'on va diriger ou gagner des monde qui ont responsabilité de diriger. Voilà, c'est député Gregoire Jean-Marcel Luméran sous perspective augmentation prix Gaza dans le micro.